Et bonjour à tous, c'est Mister Gecko. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre Let's Play sur Phoenix Point. Donc la dernière fois, on s'en était arrêté dans cette mission. Il fallait qu'on se rende par là-bas et qu'on ramasse toutes les caisses. Zut, hop, il faut que... Voilà, c'est bon. Il faut qu'on ramasse toutes les caisses sur cette map. Donc il y en a une ici. Il en reste une par là-bas aussi, je crois, au milieu de la brume là-bas. Ça va être sympa, ça. Et la dernière, elle est ici. Donc là, on avait posté notre sniper ici, au cas où ça pop ici. Est-ce que ce serait pas le moment de l'avancer? Est-ce que je le garde ici, au cas où ça pop, le temps d'avancer tout cela? Ça va être dangereux quand même, tout ça. Je sais pas surtout s'il y a de l'ennemi là-dedans. Je sais qu'il y a un... comment ça s'appelle, les espèces d'insectes par là, là, les gros moustiques, c'est tout ce que je sais. Et par où on monte là-haut d'ailleurs? Ok, il y a une échelle ici, très bien. Donc ça va être facile. Toi, il y a deux points de pop là. Toi, tu vas te mettre ici, c'est pas mal ici. Là, allez, go. Très bien. Tu vas pas bouger. Ok, toi. J'ai un peu peur de ce qui va venir de là-dedans en fait. Bon. Hop, toi, tu viens là. Toi, en tout cas, à mon avis, ça va pop là. Toi, tu vas venir ici, écoute. Hein. Ah, mais attendez, je l'ai fait monter alors que ça se trouve, c'est celui qui avait déjà ramassé la caisse tout à l'heure. Non, pas complètement. Point d'action insuffisant, c'est pas grave. C'est quoi ça? Chargeur pour. Cyclope SR7. Ok, bon, très bien. Le snipe, on va le faire venir là. Allez, papillote. Tu vas là-bas. Voilà. Toi. Est-ce que t'avancerais pas même jusque là carrément? Ouais, allez, hop. Ok, ensuite il nous reste Aminou ici. Qui est du coup un sniper aussi. On n'est pas au top pour les snipers là. Ah, lui il gêne en plus maintenant. Tu vas venir là. On avance hein. De toute façon, il faut avancer là. Là, il faut qu'on avance. Toi, ce serait bien qu'on reste un peu par là quand même si ça vient d'ici là. Tu vas peut-être te mettre en vigilance comme ça, toi, non? Ce serait pas mal ça. Hop, et toi tu attends terminer le tour. Allez, c'est parti. Hop. Ah voilà, bah, j'ai bien fait de faire ça. Ça a pas suffi. Mais déjà ça l'a blessé. Bon, c'est bon, on va pouvoir l'achever au prochain tour. C'est Inaru qui va l'achever. Là, par contre, non, ça va être toi qui va le tuer. Ah, ça va même pas l'achever. Quel enfer. 10. Santé 33. Dommage. Tu peux partir avec ça des fois. Si. Bam. Allez, très bien. That was a good kill. Yes. Yes, yes. En se mettant là, on pourrait voir l'intérieur du bâtiment. C'est pas une mauvaise idée, ça. Sauf qu'a priori, il n'y a pas trop d'ennemis hein, pour le moment. Pas trop, trop d'ennemis. Alors toi, tu vas looter un peu des trucs. Ok.
Très bien. Et tu vas descendre. Tu vas descendre. Jusque... Jusque là. On va essayer de looter au maximum. Toi tu peux pas avancer du coup. Donc tu vas attendre. Tu vas attendre. Sophia Brown. Je crois que Sophia Brown, elle va commencer à venir par là. C'est dommage, elle aurait presque pu se mettre là. En vigilance. Qu'est-ce qu'elle a elle? Ah, elle est full elle. Sophia Brown elle est full, donc elle va se mettre en cover ici. Ouais, pas mal. Ensuite on a Aminu qui doit rien avoir lui. Ouais voilà. Aminu, ah, on va le faire avancer du coup. Là. Voilà. Et Gelden, pareil, faudrait qu'il avance aussi, ce serait pas mal. Par là. Ouais, s'il doit avancer, qu'il avance, hein, tant qu'à faire. De toute façon, les points d'action, ils sont perdus après. Ok, alors là, ça m'embête un peu parce que Papillote est tout seul derrière. On va terminer le tour, on va voir ce qui va se passer. S'il faut, on va le faire revenir et mettre les autres en vigilance, on verra. Activité pandorienne. Toi tu vas venir là du coup. Là j'aurais pu monter sur le toit. Enfin à l'étage. Ouais c'est pas terrible quand même à l'étage. Il y a quelqu'un là-bas. C'est sûrement l'autre qui fait la brume a priori mais pas sûr. Pas sûr, pas sûr. Ok donc lui. Il va venir ici. Ok, il va ouvrir cette caisse et il va ramasser ce qu'il y a dedans. Oh! Un missile? Ah ouais, il y a masse de trucs là. Alors là, il y a des munitions pour le sniper. Il y a des munitions pour le bulldog, ça c'est bien. On en aura besoin. Ça, je sais pas si on en aura besoin. Ça, on a besoin absolument. Ah merde, il est trop chargé. Mission pour roquette de la nouvelle Jericho. Lance-roquette, putain c'est bien ça. Pourquoi j'ai pas de lance-roquette moi? Je vais jamais pouvoir tout prendre moi. Je vais jamais pouvoir tout prendre, faut utiliser les grenades un peu. Tu peux encore te déplacer, bah écoute tu vas venir par là. Je sais plus ce qui se passe dans le brouillard. Pack de ressources récupérées, évacuer tous les agents. Toi. Ah, toi t'es full 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 hein. Mission de pistolet machin. Ouais, on pourrait soigner Aminu. Toi tu pourrais venir soigner Aminu. Ou Aminu pourrait se soigner. Parce qu'Aminu il a quoi sur lui? Il a rien. Ah, attends. Poslovic peut soigner Aminu. Hop. Voilà. Ensuite il vient là. Mais il aura pas assez de points pour récupérer quoi que ce soit. Dommage. Prochain tour. Aminu. Il va venir là. Et lui il va récupérer les trucs dedans. Les packs de ressources, ça c'est important. Le kit de soins et le reste, on restera récupéré par Poslovic. Ok, c'est quoi ce cercle rouge là? Je ne sais pas. Ok, Sophia Brown, elle est full. Donc elle va venir par là. En espérant qu'on spotte pas des ennemis. Je crois qu'il faut éviter la brume hein, quand même. Je sais plus ce qu'il y a dans la brume. Et donc là on a Inaru. Merde, qu'est-ce que j'ai fait?
qui a rien du tout lui sur lui. Ah, il va venir là. Inaru, hop. Bah tu vas prendre ces deux trucs, hein. Voilà, très bien. Et du coup, Poslovic, on va le mettre ici, là. Voilà, voilà, on est bien, on termine le tour. Oh là-bas, ça met de la... Ici, là. Ah, ça se déplace vers moi, là. Aïe, aïe, aïe. Ok, c'est à l'intérieur, là. Donc, toi... J'aurais bien voulu avancer, quand même. Là, il va venir par derrière, il peut pas revenir par là, s'il sera dans la brume. Je sais plus ce que ça fait, la brume. Je me souviens pas... ce que ça fait, la brume. Ce serait bien de spotter le gros ennemi, là. Alors lui c'est quoi? Allez vas-y, on va prendre des risques un peu. Target located. Ah bah voilà. Il est là lui. Je peux pas le tirer dessus là. Je peux pas le tirer dessus d'ici. Faut que je monte là-haut sinon. Ah ouais, ça aurait pas été bête ça de monter là-haut. Attends. Il est où mon gros mastodonte là? Il peut pas sauter là-bas. Par contre, il peut peut-être monter là. Ce serait pas bête ça. Tu vas monter là-haut, toi. Ok. Je crois que Papillote, je vais le mettre là. Avec. Comme ça. Elle. Enfin, lui plutôt. Poslovic. Est-ce qu'on ne mettrait pas en vigilance aussi devant la porte là? En fait, toi tu t'es déplacé ici pour rien du tout. Je peux pas le viser lui, de là. Comment ça se fait que je peux pas le viser? Je peux pas acheter une grenade, j'ai pas des grenades moi. Ça fait quoi ça? Je peux pas l'acheter ma grenade, j'ai déjà plus de points d'action. Quelle horreur. Tu vas venir là. Sophia Brown. Poslovic, on va le mettre en vigilance comme ça. Ok, toi t'attends. Aminou. On va le faire monter là. J'espère qu'il n'y a pas d'échelle hein, qui permettent de monter là-haut. De l'autre côté. Enfin, il y a cet escalier là-bas, mais ça devrait aller. Et toi... toi pareil, tu vas monter là-haut, hein, je crois. Je crois que c'est pas mal de monter là-haut. Pour tuer le mec qui fait la brume, là. Je crois qu'il perd de la volonté quand il rentre là-dedans, la fumée, hein. Il me semble un truc comme ça. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Blou, 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 blou. Tu étais pandorienne. Ah. Ah, d'accord. Ah, ils sont invisibles, carrément. Wouah, d'accord, ok. Punaise. Ah ouais, ça pique. Ouais, bah, j'ai bien fait de faire ça, moi. Il balaye son fusil à lui. Hein. Ok. Donc, toi, tu vas nous balancer une grenade ici. Boum. Voilà, et maintenant, tu vas monter là. Ok. Là, j'ai dit. Voilà. Toi. Toi, 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 tu vas venir ici. Hop. Ok, très bien. Toi, tu peux tirer sur lui là-bas. Ce serait bien d'avancer un peu quand même. Ouais, mais non, toi avec ton bulldog, on n'a pas beaucoup de munitions. Ok, peut tirer dessus lui. Vas-y, visée libre. Bon, alors on l'achève là. Ouf. Allez, salut. Ok, tu vas te repositionner. Non, t'es bien là. On peut pas le tirer dessus à lui là?
Même si je me mets là, je peux pas lui tirer dessus. Ah si, quand même. Ah voilà. Visée libre. Ah, c'est un peu chaud, mais... ça passe. Très bien. Très bien, très bien. Ok. Donc là, il nous reste qui? Il nous reste Poslovic, qui va se mettre en couverture par ici. Ok. Et Inaru qui est ici, qui va se mettre peut-être pas à découvert là, parce que ça se trouve il y a plein d'ennemis dans la fumée en fait. Au final. Et si elle se met là, elle peut peut-être tirer dessus. Non, elle peut pas tirer dessus là. Ça fait pas une cover. Putain. Bah là du coup. Tirer le prochain tour. Hein. Le prochain tour. Allez, terminez le tour. Qu'est-ce qu'il fait lui? Il va encore faire de la fumée. Le problème, c'est que je sais pas s'il y a des ennemis dedans, du coup. On va le savoir vite fait, je pense. Ah! Carapace et bouclier. Les boucliers et carapaces de chitine donnent aux pandoriens des défenses et une résistance supplémentaire. Ciblez les parties du corps vulnérables. Où ils sont exposés en visée libre. Ok. Ouais, évidemment. Ok, donc lui reste là, ça m'arrange. Donc là, avec lui, on va finir le gros là. Hein, voilà. Boum, comme ça on n'en parle plus lui. Par contre, il y a toujours cette fumée de merde. Qui ne m'arrange pas du tout. Inaru, lui, il va venir. Disons. Par ici. C'est pas ouf ça hein, comme positionnement. C'est pas ouf du tout, c'est pas grave. Allez, tu vas venir là. Il m'en manque une de caisse, non? Il y en avait. Ah oui. Une, deux. Ah, il restait des trucs là-dedans? Qu'est-ce qui restait? J'ai oublié des trucs. Merde. Ouais, il devait pas rester grand-chose. On va dire qu'il restait pas grand-chose. J'espère, je me souviens pas. Faudra voir dans la vidéo. Toi t'as quoi toi? Toi t'es plein. Toi t'es plein. Qui c'est qui a encore de la place? Lui il a encore de la place normalement. Non, lui il est plein aussi. Aminou, il est plein. Et bah il doit me rester Papillote qui est vide. Ouais voilà, Papillote. Donc Papillote on va le faire avancer. Faut que le prochain tour il puisse aller chercher les trucs. Allez, je sais plus ce que ça fait de rentrer dans la brume. On va voir. Je crois pas que ça me blesse, il me semble pas. Hein. Poslovic, il a un emplacement. Je pourrais jamais tout prendre, moi. Il reste encore une caisse là-bas. Je pourrais jamais tout prendre. Toi, tu vas venir, disons, par ici. Par là. Là, t'es à couvert, mais t'es à découvert pour là-bas. Hein. Est-ce que c'est jouable en bas? Non. Tu vas venir te mettre là. Heureusement, il n'y avait pas beaucoup d'ennemis. Hein. Voire même vraiment très très peu. Allez, terminer le tour, il n'y a que celui là-bas, là, a priori. Peut-être qu'il y en a un qui va pop là maintenant. Ok. Qu'est-ce qu'il fait lui? Ok, là je veux plus le voir. Si, si, je le vois encore. Oula, oula, oula! Ok, il a déployé son bouclier. Donc toi, tu vas venir chercher ton truc là. Ah, j'ai gagné des points de volonté quand même. Oh, comment ça, la caisse elle est vide? Oh, la loose. Hein? Terre, papillote, machin. C'est quoi ce bordel? J'ai rien compris. La caisse est vide ou pas? Oui. Bon alors, il va falloir tuer celui-là. Toi, tu peux le tuer. Visée libre. Carapace. Bouclier, carapace. Jambe. Puf. Pistolet. Visée libre. Est-ce que je peux toucher?
Rien. J'ai rien compris. C'est pas grave. Alors toi, visée libre. Tirer sur le bras. Tête. Oh. Ah dommage. Bah vas-y, recommence. Voilà. He's dead. Problem solved. Exactement. Bah toi, tu vas venir par là, du coup. Bon là, il va falloir se bouger le cul, hein, maintenant. Alors toi, tu peux venir là. Il y a plus d'ennemis normalement là, a priori. Hein. Tu vas venir là. Ouais, il va y sûrement une heure qui vont. Ah, ennemi détecté. Ok, voilà, il y en a un qui arrive là-bas. Alors toi, tu vas te mettre. Oui, merci, je l'ai vu. Tu vas te mettre. C'est pas une couverture ça du tout. Oh zut. Oh, il peut pas se mettre à couvert du tout. Bah tu vas te mettre là. Hop, voilà. Attendez, ça se trouve, lui, il va pouvoir tirer. Ah oui, mais il a déjà tiré Aminou. Eh ben, Aminou, il peut pas bouger. Il nous reste Sophia Brown, qui va venir ici. Je pense que lui, il va se faire tirer dessus. Je sais pas si c'est un qui tire, mais... Non, c'est pas un qui tire, mais bon, il va pouvoir nous abîmer un petit peu. Toi, tu peux lui tirer dessus là-bas, ouais, ça vaut pas le coup, si. Il est libre. Ouais, d'accord, c'est pas la peine. Par contre, tu peux venir genre par là. Non, je vais être trop près là, je vais me faire attaquer. Tu peux venir ici. Et c'est tout, fin du tour. Alors, qu'est-ce qu'il va faire lui avec son bouclier là? Oh merde, il va venir au milieu. Il va m'attaquer celui qui est là. Ok, non, il se met comme ça. Très bien. Alors toi, tu peux lui tirer dessus. Visée libre. Il est mort. Je peux tirer encore un coup pour voir. Est-ce qu'il est mort? Ouais, il est mort. Je dirais bien qu'il est mort. Ok. Alors toi, tu vas venir là. Hop. Ouais. Toi, tu vas venir ici. Sophia Brown en vigilance par là. Faire qu'on retourne à la base après là, hein. Vraiment. Je peux plus te déplacer, pourquoi tu me le proposes alors? Lui. Attends, qui c'est qui reste de la place là? Toi, il te reste un emplacement. Il reste un emplacement. Il reste trois trucs, hein. Tu vas venir là. Il reste trois caisses de ravitaillement. Toi. T'as plus de place du tout. Donc tu vas venir te mettre. Là. Repositioning. Ouais, genre à côté quoi. Super. Bah non, tu vas venir te mettre là. Ça c'est pas mal ça. Ok. Et enfin, Aminou. Qui pareil n'a plus de place du tout. Va venir se mettre par là. Ok. Allez, terminer le tour. Ok, donc il n'y a plus de... Y a plus... Ah, Papillote, il est full vide, lui, donc il va pouvoir les récupérer, les trucs, là-bas. Ok, voilà. Lui, il va venir... Où c'est que ça pop, là? Ici, là... Sûrement un peu par là. Non, pas trop, c'est loin. Bah, tu vas venir te mettre par là, disons. Ok, toi, tu vas attendre, récupérer, tiens, coup, un point d'action 4, point de volonté 0, il est à combien, point de volonté 8 sur 10, vas-y, récupère, confirmé. Ok, Papillote, il peut plus rien faire, Poslovich, il attend, confirmé, mais pourquoi ça me remet sur Papillote? Toi, tu vas venir là. Ok, vigilance. Non,
Vigilance par là. Voilà. Aminou, lui. Bah, par là. On va tous se déplacer ici. Bon, ça va, c'était pas une mission trop compliquée. Toi, tu vas venir aussi te mettre par là. Inaru. Inaru. Voilà. Terminé le tour. Est-ce que ça va pop? Oui, sûrement. Vu que ça prend du temps. C'est sûrement qu'il y en a qui ont pop. Toi, t'es pénible, t'as pas beaucoup de déplacements. Alors on va pas s'embêter, on va carrément direct passer. Hein. Parce que c'est vraiment lui qui gère maintenant. Ah, ça pop ici. Oula! Ah, c'est un moustique là. Un moustique dégueu. C'est pas grave, s'il vient, on va lui péter la gueule. Ok, Inaru, tu viens là. Tu ouvres la caisse. Grenade. Oui, merci, je sais ce que c'est que des grenades. Oula! Yes! Yes, ça c'est quoi ça? Des munitions carquois d'appalé du Cinédrion. Allez, on prend. On va prendre ça, on va prendre ça, on va prendre ça. Merde. Voilà. Retour. Et tu vas descendre ici. On va essayer de récupérer le max de trucs. Donc s'il y a quelqu'un à qui il reste des trucs. Il me restait un pack de ressources, je sais pas où. Tant pis. Poslovitch. Poslovitch, il lui reste une place. Bah, Poslovitch va venir chercher un truc en espérant qu'il puisse le porter. 21 sur 26. Allez, hop. Voilà, retour. Tu redescends maintenant. Ok. Sophia Brown. Il lui reste une place également. Et bah, vas-y, tu viens chercher. Et après on va s'extraire. Hop. Retour. Clac. On va surtout rentrer à la base après je crois. Là il n'y a plus rien. Ah bah tiens, Inaru, il avait pas grand chose lui. Hop. Il restait de la place. Dis donc. Donc il devait rester un pack de ressources hein, dans la caisse qui était sur le toit là-bas. Je vais pas y retourner. Hein. Je vais pas perdre du temps à y retourner, hein, vraiment. Tant pis. J'ai oublié. Oula! Le Myrmidon. On va lui péter la gueule. Boum! 10 de saignement. Il a 21. Dommage, on l'a pas eu. Alors toi tu vas prendre ton pistolet, tu vas venir ici et tu vas l'achever. Et voilà, comme ça on n'en parle plus. Bam. Ok. Toi tu vas venir ici. Pas tout de suite, on ne sait jamais. Il peut se passer plein de choses pendant un tour. Voilà, je pense que c'est bon, hein, mais... On évacuera tout le monde pendant le même tour. C'est plus safe. Ok, toi tu viens là. Let's go! Non, on passe le tour. Voilà. Pif. Évacuer, oui. Évacuer. Attendez, lui, il peut venir quand même, on est d'accord. Oui. Quand même, on vérifie parce que on sait jamais. Oui. Confirmer. 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 Et voilà. Voilà qui est fait. Gagné beaucoup d'XP, hein, c'est pas grave, c'est mieux que rien. Évacuer tous les agents Phoenix,
Par contre, on a récupéré beaucoup de ressources, donc on va pouvoir commencer la production d'un nouvel avion, je pense. Ce qui va nous permettre de recruter des nouveaux soldats. On a récupéré des missiles aussi, je crois. Ah non, c'était pour les lance-missiles. De ressources ratissées, tous les packs de ressources récupérées ont été transférés vers nos entrepôts. 700 on a récupéré, c'est pas mal du tout. Objets récupérés, on a récupéré pas mal de choses aussi. C'était très bien. Chargeur de tir 1, chargeur de Firebird SR1. Ah ouais, d'accord, on peut les produire comme ça, très bien. Donc là, on va rentrer se reposer à la base la plus proche, c'est-à-dire celle-ci. Hop. Ok. Armée de l'air. Là, on va faire. Non, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Là, de changer tout. C'est où déjà? Fabrication. Un manticore. Fabrication, véhicule, manticore. Allez, ressources insuffisantes, comment ça? Si, c'est bon, ouais, j'en ai fait un. Ok, scarabée, ouais, on verra plus tard ça, hein. Je pense. Mutog, arme, module. Je peux fabriquer des armes aussi. Portée effective 51, dégâts 110. Ouais, il est moins bien lui. C'est un sniper, c'est un vieux sniper. Les indépendants. Ok, ok. Bon. C'est un peu nul ce qu'ils font, les indépendants. C'est pas grave. Base. Donc là, on a ça qui est en construction qui va être terminé bientôt. Technologie bionique de base dans 3 jours et fabrication du manticore. Alors là, normalement, ça devrait remonter. Ouais. Alors, des vols hostiques. Vol hostile de Pandorien attaque des refuges humains. Ouais, ok, donc il va falloir que je détruise les petites bébêtes. C'est quoi ça? Info refuge. État de la brume libre. Toc toc, centre d'entraînement. Dan Cortez. C'est une nouvelle classe. Centre d'entraînement pour créer des refuges opportunistes. Ouais. Ok. Ah oui, donc sûrement que c'est une classe de quelqu'un qui est. Enfin, une nouvelle classe quoi, de disciples de Anu. Ok, donc là eux ils ont l'air de rester là. Ah oui, on voit la classe des soldats qu'on peut recruter. Ah, c'est bien ça. Ça va être un normal là aussi. Là, ça va être une nouvelle classe. Ok, c'est intéressant. Alors, ça m'a vidé tous leurs objets. Papillote. Visée rapide. Bah, vas-y, ouais, confirmé. Et ensuite, on va augmenter la puissance. Qui fait quoi la puissance déjà? Point de vie, poids que va porter la distance de lancer d'objets, ouais c'est pas ouf. Un nombre maximum de points de volonté en combat qui sont utilisés pour les capacités. Point de panique, ok. Voilà, je préfère augmenter ma vitesse pour le moment. Papillote Sophia Brand, on va lui enlever la grenade. Hop. Nouvelle classe. J'ai un peu peur de ce que ça va faire, ça. J'ai pas envie qu'elle prenne une nouvelle classe pour rien. Vas-y, hop. Sophia Brand, Gelden, on va lui enlever la grenade. Ouais, si, on va laisser les grenades quand même. C'est quoi ça? Iconoclaste, fusil à pompe des disciples d'Anu. Ah oui.
J'ai pas des balles de ce truc là. Si, voilà, j'en ai chopé plein des balles de ça. Fusil à pompe. C'est pas le lourd là qui aime bien les fusils à pompe? Non. Tireur à longue distance, bien maîtrise d'armes de précision. C'est nul ça. Bagarreur. Guérisseur, 30% de ressources avec PV, plus de points de volonté. C'est quoi ça? C'est une compétence. Ça pourrait être pas mal ça. Bah, j'ai que 10. 25. Nouvelle classe. Je suis pas fan des nouvelles classes moi. Ok, alors lui, Poslovic. Poslovic, plus de points de volonté et une portée de perception augmentée de 10. C'est pas mal. Déplacez-vous, mais la moitié n'a rien. Ok, ouais. Vas-y, moi je veux qu'il soit mobile, mais soldat. Recrue. Ok, donc là je peux acheter des recrues dans les deux bases. Ok. Papillote. Sophia Brangelden. Attendez, moi je voulais modifier l'unité, voilà. Poslovic. Aminou. Qu'est-ce qu'il va nous faire? J'ai plein de balles, de plein d'armes. Sauf de celles que j'ai besoin. Je pourrais faire les recherches sur cette arme-là. Est-ce qu'elle vaut le coup? Dégâts 50, portée 27, point d'action 1. 22 balles. 50. 50. Ah ouais, elle tire plus loin. Point d'action 1. Elle a 8 balles, celle-ci aussi. Ah donc 22 c'est mieux, main requise 1, poids 2. Ah ouais, elle est carrément mieux celle-ci. Donc on va pouvoir faire la recherche sur cette arme là. Hephaestus 2. Voilà. Sentinelle de bois. Après on fera des recherches un peu sur les trucs là quand même. Ok, donc on revient là, modifier l'unité, on en était où? Gelden c'est bon, ça c'est bon, Aminou. On va lui mettre un point là aussi, hein. C'est pas mal d'avoir de la... du déplacement. 2 sur 35, ah oui. Ok, donc elle, elle est équipée. Enfin lui, du coup, Inaru. Est-ce que je leur mettrai pas son fusil à pompe quand même? Portée effective 25, portée effective 8. Faut être vachement plus près quoi. Après ça fait des dégâts. 50 munitions par contre, c'est pas mal. C'est pas mal aussi. Tenter le coup. On peut tenter le coup. On va s'y essayer, tiens. Allez hop. Voilà. Et là on a tout fait. Ouais, 10, on peut rien faire. À part bouffer des points de trucs. Ok. Ok. Ça a de la furtivité, je crois, pas mal. Ouais. Ok, fabrication, recherche, géoscap. 39 minutes de vidéo. On va s'arrêter là, parce qu'on a dit qu'on allait attendre en plus. On va attendre un petit peu. Vieil ami, nouvel ennemi. Nous recevons de plus en plus de signalements d'humains en état de mutation avancée qui attaquent des patrouilles partout dans le monde. Ces créatures appelées les rejetés sont voraces et ont déjà pris en embuscade plusieurs patrouilles de la Nouvelle Jéricho et des disciples d'Anu. Nous recommandons de faire preuve d'extrême prudence sur les sites d'exploration. Ok. Donc lui, il a pas renvoyé de vaisseau. Hein. Je sais pas ce qu'il fait, il va venir bouffer ce truc là. Lui, il est quasiment soigné. On va peut-être aller par là, on va attendre 2 minutes, voilà. Disciple. Alors, l'équipe Le Cadeau a guéri, je sais pas quoi. Ah oui, c'est ça, c'était guéri. On va venir ici, se déplacer. Hop. Je sais pas ce qu'il fait lui. Hein. Explorer. Attendez. Il s'est rien passé du tout. Ah oui, c'est une. Ok, c'est un truc comme ça. Là, on va venir ici. On va s'arrêter là, parce que ça fait 40 minutes. Voilà, donc écoutez-moi sur ce,
Bah, je vous laisse là. La prochaine fois, on essaiera d'explorer un petit peu des points là-bas et de se diriger quand même vers ce point là-bas. Ce serait pas mal d'envoyer une équipe là-bas. Peut-être de recruter des nouveaux soldats aussi. Ce serait pas mal, on essaiera de faire ça. On essaiera de recruter celui là-bas, là. On va voir ce que c'est cette nouvelle classe. Et puis voilà. Allez, donc sur ce, moi je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à bientôt. Salut à tous, ciao!